Bon, on le fait, ce plan A4 ou pas? Ouais? T'es chaude? Je suis grave chaude. Tu veux faire ça avec qui? Claire et Eric, non? Donc en fait, t'as pas envie d'avoir un enfant, c'est ça? Ça te dirait qu'on parte en voyage? Ouais. T'aimerais aller où? Bah, je sais pas, l'Amérique du Sud, moi ça me dirait bien, ça te plairait, toi? Oh non, c'est mort, c'est des petits trous du cul. Quoi? Enfin, je croyais que Claire, elle te plaisait. Oui, 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 elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais Eric, t'as vu sa gueule, franchement, tu veux faire ça avec lui? C'est même pas sûr qu'ils acceptent en plus. Mais attends, je savais pas, moi, je leur en ai parlé du coup. Ah ouais? Ils sont chauds? Pas du tout. Non, c'est juste que ça dépend de plein de choses. Voilà, sur le principe, oui. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Voilà. Après, faudra en parler correctement, mais de toute façon, on a le temps avant d'avoir un bébé, non? Et si on en parlait maintenant? Bah, je sais pas. Pourquoi maintenant? T'as envie d'un bébé, toi? Bah oui, enfin, que les week-ends, mais... Bah, je sais pas, attends, j'en ai grave envie, moi. Je pensais que toi aussi, en fait. J'adorerais. Mais pour tout te dire... Quoi, y'a un problème? Je suis enceinte. Ah. On peut pas annuler? Bah quoi alors? Je voulais te faire une surprise. Quoi? Je suis enceinte. T'es enceinte de combien? Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on n'est pas partis ensemble, t'imagines? Bah c'est génial, mais on partirait quand? 14 semaines. Ça veut dire que t'accoucherais quand? Demain. Bon, bah on va être obligé de le faire alors. Quoi, te sens pas obligé? Moi j'ai envie qu'on fasse ça par plaisir. Non mais je te le dis, franchement au début j'étais pas très emballé. Déjà je pensais pas que ça puisse se faire. Mais c'est vrai que voilà, plus on en parle et plus ça m'excite. Et puis j'ai envie de tenter ça avec toi mon amour, donc pas de soucis. J'y crois pas, putain. C'est sûr? Attends, on va où? On part en Asie. Ça te va? Je te jure que quelque part j'attendais ça. Vraiment. C'est... Je réalise là, ça arrive d'un coup, je vais être papa. Je vais être papa. Putain, je t'aime. Moi aussi. Mais t'es sûr que t'en as envie de ce plan A4? Tu rigoles, j'ai toujours rêvé de ça. Putain, t'imagines quand je vais dire ça à ma mère? Tu vas lui dire, toi? Ouais. Grave. Ouais. Ça me rassure parce que là, je pensais vraiment que j'avais fait une énorme connerie. Attends, j'ai 10 000 questions. On fait ça où? Dans un temple avec des moines bouddhistes. Tu vas voir, ça va être génial. C'est un trop beau cadeau que tu me fais. J'ai trop de chance de t'avoir. Il y a plus que les valises à faire. Oh non, plutôt crever. J'ai pas du tout envie. Non, mais bien sûr, je comprends. Non, mais tu feras ce qui te semble le mieux. Oui, merci. Puis je me rends pas compte encore de tout ce qui va changer, de toutes les décisions qu'il va falloir qu'on prenne et... Et t'as pas vu avec ton gynéco? Tu sais où tu vas accoucher? Bon, fais ça ici, dans le salon, on sera plus à l'aise, non? Tranquille. Oui, t'as raison. Non mais autant faire ça en terrain connu, on est d'accord. Voilà. Ok. Et comment je m'habille, à ton avis? Deux maillots de bain, des lunettes de soleil, un bel appareil photo, puis voilà, c'est vite fait, quoi. On part de quel aéroport? Et j'en sais rien. Non, je sais pas, je verrai ça plus tard. Non, je sais juste qu'il y a la clinique à côté de la caserne des pompiers et il paraît qu'ils sont aux petits soins et ils ont tout refait à neuf il y a pas longtemps. Bah super. Je pense demander à ma cousine d'être la marraine. Tu sais qui tu voudrais comme parrain, toi? Charles de Gaulle. En tenue légère, avec des sous-vêtements sympas. Mais il faut que tu sois confortable, c'est ça le principal. Ouais, oui, non, t'as raison. Faut que j'arrête de me prendre la tête, là. On fait ça simple, efficace, confort. Exactement. Tu sais pourquoi je t'aime, toi? Alors là, j'en sais rien du tout. Mais ça va, hein? T'es sûr? Ouais, non, bien sûr, c'est... évidemment. C'est juste qu'il faut que... Faut que j'atterrisse, quoi. C'est un super aéroport, tu vas voir. Ah, moi, j'ai trop la tête dans l'avion, là. Maintenant, pas toi? Non. Parce que tu sais me rassurer. Toi, ça va, là? T'as pas trop peur? T'es pas trop stressé de faire ça avec des gens qu'on connaît? Une fois que je serai dedans, je ferme les yeux, j'oublie tout et je profite. Tu sais ce qu'on peut prendre comme bagage à main? Un bébé. Tu sais quoi? Ça m'excite de plus en plus, cette histoire. Je suis sûre qu'ils sont grave libérés, eux, non? Tu crois pas?
Non, on trouvera bien l'info quelque part sur internet. Hein. Hmm. Merci hein, d'avoir organisé tout ça. T'es la meilleure. Je t'aime. Tu me fais un petit bisou.